Allez, départ imminent pour ce prix de l'Île-de-France. Faux départ. Faux départ. Mais bon, il a moins à pousser en descendant qu'à partir de 2007 en montant, de toute façon. Ça va sans doute partir très très vite. Dehors, Mister Présidente. Et c'est le départ du prix de l'Île-de-France avec Mister Présidente qui est très bien parti en compagnie de Lithia de Bosson. Jazoda est très bien parti à la corde avec Miss Castel, Milia Piergi, Copa de Montfort, Jacques de Bello énergétique, l'As de Neige ferme la marche et on va dévaler la descente à vive allure avec Jazoda qui est au commandement à la corde, Copa de Montfort dans son sillage avec Miss Castel, Milia Piergi, Lithia de Bosson tout en dehors, il y a Mister Présidente devant énergétique, Jacques de Bellouet et en queue de peloton toujours l'As des Neiges avec Clara Dessart ainsi que Ludo de Castel et on va bientôt aborder la plaine sous l'impulsion de Jazoda. Jazoda rejointe par Miss Castel devant Copa de Montfort, Milia Piergi, Lithia de Bosson, Mister Présidente, Clara Dessart, Jacques de Bellouet en queue de peloton avec Ludo de Castel et l'As des Neiges avec bientôt le poteau des 1500 derniers mètres sous l'impulsion toujours de Jazoda devant Miss Castel, Copa de Montfort, Milia Piergi, Lithia de Bosson est au galop. Elle perd maintenant beaucoup de terrain alors que Mister Présidente vient en 6-7e position. Jacques de Bellouet toujours à l'arrière-garde avec Ludo de Castel et l'As des Neiges. Bientôt la montée avec une 18 pour le temps de passage au 1500 derniers mètres. Jazoda qui semble légèrement réduire l'allure pour aborder la montée. Miss Castel est à ses côtés devant Milia Piergi, Copa de Montfort, Mister Présidente. Énergétique, Clara Dessart, Jacques de Bellouet, l'As des Neiges. Ludo de Castel est à l'arrière-garde et le 2 Lithia de Bosson a été disqualifié sur sa faute. On réaccélère dans la montée avec Jazoda, Miss Castel qui prennent un peu de champ avec Milia Piergi devant Mister Présidente, Copa de Montfort, énergétique, Clara Dessart, Jacques de Bellouet est toujours en queue de peloton avec l'As des Neiges et Ludo de Castel. Moins de 1000 mètres à couvrir, une 11 au poteau des 1000 derniers mètres avec toujours Jazoda et Miss Castel qui font du train en tête. Milia Piergi est toujours en 3e position devant Mister Présidente, suivi par énergétique, Copa de Montfort et Clara Dessart. Bientôt le tournant final avec toujours Jazoda, Miss Castel qui sont aux prises en tête devant Milia Piergi qui reste au contact néanmoins en 3e position avec Mister Présidente. Clara Dessart tente de rester au contact mais sollicité avec à sa hauteur énergétique. Jacques de Bellouet tente toujours de refaire du terrain mais il est toujours assez loin des leaders qui maintenant passent au niveau du poteau des 500 derniers mètres avec Jazoda qui a l'avantage. Jacques de Bellouet vient d'être disqualifié numéro 11 avec Jazoda qui a toujours l'avantage. Jazoda qui est à la lutte avec Miss Castel devant Milia Piergi, Mister Présidente. Et on va sortir du tournant avec toujours Jazoda, Miss Castel, Milia Piergi, Mister Présidente. Avec toujours Jazoda, Miss Castel qui lutte. Jazoda devant Miss Castel à 250 mètres du poteau. Jazoda, Miss Castel, Milia Piergi qui tente de trouver le passage à la corde. Et Mister Présidente qui est au centre. Jazoda toujours devant Miss Castel. Jazoda devant Milia Piergi, Miss Castel, Clara Dessart. Jazoda toujours devant Milia Piergi qui n'a pas toutes ses aises à la corde. Jazoda devant Milia Piergi et Miss Castel. C'est Jazoda qui remporte ce prix de l'Île-de-France. À voir ensuite pour la deuxième place entre Milia Piergi et Miss Castel. L'arrivée surprise à l'arrivée de ce prix de l'Île-de-France, victoire de Jazoda. On n'attendait pas pareil fait qui s'impose. Associé à Louis Baudron. L'entraîneur était très confiant avant la course. Hein. Ouais. Il l'avait signalé. Hein. Mais bon, de là à l'avoir gagné, c'était pas facile avant le coup quand même. Jazoda qui s'impose, deuxième place disputée, soit pour Miss Castel. Je pense. Miss Castel seconde. Oui, à l'extérieur, c'est fait. Et troisième place côté corde pour Milia Piergi devant Clara Dessart et Mister Présidente. Donc victoire de Jazoda. 5 chevaux et les autres. Ouais. Quoi, et hein. Puis surtout le coup de théâtre, c'est la disqualification pour allure de Jacques de Bellouet. Ouais, on l'a senti. De toute façon, il n'a jamais été dans l'allure. Le cheval n'était certainement pas à son meilleur niveau et on l'a senti toujours un petit peu haletant derrière. Et même Mathieu, il essayait de le commander en montant un petit peu, mais le cheval ne répondait pas comme il sait répondre. Et puis on a vu un Gert Ladoux, évidemment.